truc qu'on a fait. Premier épisode. C'est le premier épisode et il y en a 4 dans ce goût-là. Donc, je sais pas, c'est moi, je peux passer dans le public avec le micro, je sais pas. Ouais. Philippe Rizzoli. Alors, est-ce qu'il y a des questions, que ce soit sur la réalisation du truc? De toute façon, on va faire... Pourquoi il y a ça? D'accord. C'est pas grave, il y a des trucs. Des questions, que ce soit sur la réalisation. Est-ce qu'il y en a qui l'avaient vu déjà, le truc? Ouais, quelques-uns. Vous avez vu, Walmart, il a gagné, il est champion du monde maintenant. Champion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Ouais, il y a de la question. Bon, je vais aller... Bon, Nico, il fait la navette. Jeune homme. Bonjour. Alors, la première question qui se pose, plutôt normale, c'est combien d'heures de rush vous avez? Combien d'heures de rush? Ouais. En fait, on a passé... l'Evo, c'était sur 3 jours. Donc, on y est allé, on a filmé pendant 3 jours. Donc, non seulement tout ce qui s'est joué. Donc, on avait les caméras, on filmait ce qui se jouait avec Real Myop, qui est en train de commenter Resident Evil à côté. Et on a, en plus de ça, enregistré des interviews toute la journée. On faisait monter les gars dans la chambre pour leur faire enregistrer des questions, des trucs. Donc tous les plans interview que vous voyez, c'est pendant le tournoi. Il y en a certains, c'était avant, il y en a d'autres, c'était après. Et c'était pratique parce qu'on avait la chambre d'hôtel juste en haut de l'endroit où il y avait les tournois. Donc en gros, 3 gros jours. Puis ensuite, on est allé enregistrer une autre interview. On a dû aller à la salle d'arcade qu'on voit là, Super Arcade. Donc on a dû faire de la bagnole et aller faire ça. Combien d'heures? Je crois qu'on a dû, je sais pas, plein. Je crois que ça prenait un Tera 4, un truc comme ça, un truc ouais, assez en gros, lourd quand même. Les interviews, toutes les interviews, elles devaient faire une heure, entre 20 minutes et une heure. Et sans compter que nous, on s'auto-interviewait tous les jours pour avoir les plans de Walmart qui dit « Ah ouais, c'était bien, c'était pas bien, machin ». Donc on s'auto-interviewait tous les jours, donc ça fait déjà 4 fois une heure. Enfin, bon, on avait plein d'heures, quoi. Plein d'heures. Et le dérushage, ça a pris beaucoup de temps. Ah, vu qu'en fait, interminable. Interminable, le dérushage, ouais. Interminable. On a tourné ça cet été et ça a été diffusé cet hiver. Donc on a eu du mois d'août au mois de décembre... pas à bosser non-stop parce que... Il y a eu un sacré hiatus quand même après le... On a eu du mal à s'y mettre parce que c'est une somme de travail énorme et en général ce genre de truc, c'est pas fait juste par 2 gars quoi. En général les gens sont un peu plus nombreux pour monter ce genre de truc, donc nous ça a été un peu plus de bricolage et ça a été un peu plus dans la douleur. Ouais non, et puis c'était la première fois qu'on faisait tout ça en fait. On n'avait jamais fait de docu indépendamment quoi. Enfin... Bah ouais non. Parce que faire un 36-15 de 5 minutes, c'est sympa. Ah, mais, c'est facile. Mais 4 fois 25, voilà quoi. C'est ouais, quand même 4 fois 25, ça prend du temps. Ouais. Voilà. Donc voilà, en gros, oui, ça a été dur et long. Est-ce qu'il y a d'autres questions de cet acabit? Qui me parle? Personne? Ah, jeune homme. Attends, rapproche-toi parce qu'à mon avis, ça va l'arsener comme un porc si tu parles là. Ouais, c'est une question pour Walmart. Yeah. J'ai regardé donc sur internet ça. Et hier, il y avait une conférence sur Street Fighter 2. Et il disait qu'il y avait les Japonais qui, eux, passaient, mettons, à refaire 400 fois le même combo jusqu'à le maîtriser parfaitement. Et je voulais savoir si c'était un peu ta technique pour maîtriser. Ouais, on m'entend, c'est bon. Ouais, ben en fait. La question de l'entraînement, c'est quelque chose de central quand t'es joueur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas la même culture du jeu au Japon, et c'est quelque chose de classique, mais c'est vrai. Hein. Même pas la même culture du jeu donc au Japon et en France. Et ce qui fait qu'au Japon, il y a depuis toujours une communauté qui partage en fait ses connaissances sur le jeu par le biais des game centers, c'est-à-dire en fait des salles d'arcade, quoi, qui sont très nombreuses dans les villes japonaises. Et qui existe depuis, voilà, enfin, depuis l'âge d'or des jeux de combat, c'est-à-dire les années 90. Donc il faut bien comprendre que nous, enfin, joueurs français, occidentaux ou même américains, enfin, les américains c'est peut-être un peu différent, mais surtout les joueurs occidentaux d'aujourd'hui, la seule possibilité qu'on a c'est en ligne, c'est-à-dire voilà, sur internet. Et donc il n'y a pas vraiment d'échange de connaissances de la même façon, si tu veux, c'est pas aussi direct que quand t'es dans la salle et que le mec il te conseille, quoi. Ou que tu vois des mecs super forts jouer en face de toi, c'est pas exactement la même chose. Et donc pour te répondre comment je fais moi pour m'entraîner, ou comment j'ai fait, ou même d'autres joueurs comment ils font, bah tu joues, quoi. C'est-à-dire que tu... Enfin, honnêtement, je pense qu'il y a des mecs
qui s'entraînent à faire plein de fois un combo ou des choses comme ça quand ils ont un personnage avec qui c'est rentable de le faire. Il y a des personnages pour plein de personnages pour qui c'est pas forcément rentable de faire comme ça des combos dans le vide. Donc en fait, il faut beaucoup jouer pour comprendre la stratégie du jeu, comment se positionner, quel coup faire à quel moment, etc. Voilà, donc en fait, on n'a pas les mêmes armes, si tu veux, que ce que les Japonais peuvent avoir, quoi. Voilà. Et eux, en plus, ils ont ça depuis très longtemps et ils continuent de l'avoir encore. Donc, si tu veux, c'est... comment dire ? Il y a vraiment une inégalité, si on peut dire, au niveau du partage des connaissances, quoi. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas du tout égaux vis-à-vis de ça. Voilà. Jeune homme, là. Bonjour. Alors du coup, sans vouloir spoiler, il doit y avoir une grosse inégalité entre les joueurs japonais et les joueurs comme toi. Quand ils sont en tournoi, ces joueurs, ils ont l'habitude de jouer constamment les joueurs japonais contre les autres. Donc il y a un réel désavantage à ce niveau-là, aussi au niveau un peu s'il y a du trash talk ou ce genre de choses. Oui, non, c'est certain que les Japonais nous dominent énormément. Enfin, sur ce jeu, en tout cas, ils ont une domination qui est indiscutable et qui est vraiment très, très, très forte. Hein. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de jouer au même jeu, en fait, tout simplement. Hein. Ils font des choses que tu ne comprends pas. Ils manient les personnages, si tu veux. Tu penses que c'est pas possible de faire tel et tel truc et eux, ils le font, quoi. Bon, c'est vraiment des magiciens, quoi. Après, c'est pas de la magie, ça s'explique, mais c'est très, très impressionnant à voir, quoi. Après, ce sont des joueurs qui ne sont pas du tout dans la même culture que les Américains, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sens du partage, ils ont vraiment le sens du jeu, quoi, et ils ne vont pas venir te cracher à la gueule qu'ils sont meilleurs que toi, quoi. Voilà. Et je sais pas, j'ai joué par exemple, j'ai eu la chance de jouer avec Usumondo, le meilleur Honda japonais, quoi. Et le mec, il était venu me voir et il m'avait serré la main en hochant la tête et en disant qu'il était honoré de me jouer. Moi, je dirais, oui, enfin. Donc voilà, c'est des mecs qui sont très très humbles, quoi. Et je pense aussi que c'est une force. Moi, je pense que c'est une très grande force. D'ailleurs, il y a vraiment. Voilà, je pars sur un peu un autre sujet, mais il y a vraiment deux écoles dans le jeu de combat pour moi. Il y a un peu cette école japonaise qui est plutôt dans une idée de partage, d'humilité, d'ouverture, etc. Je trouve que le côté occidental, même si c'est un peu manichéen, mais il y a vraiment de ça. Il y a un côté plus fermé, plus compétiteur, plus individualiste. Et au final, je pense vraiment que c'est pas par hasard que les Japonais s'en tirent mieux, quoi, au final. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intérêt, finalement, à ce qu'il y ait une communauté, une ouverture entre les joueurs, plutôt qu'une compétition énorme, quoi. Voilà, enfin, moi, c'est mon avis, après. Et une question, s'il vous plaît. Une question, jeune homme. Toujours la même. C'est re-moi. Est-ce que, comme pour le poker ou le sport en général, il y a des systèmes de sponsoring pour les tournois ou des suivis comme ça ? Alors sur ce jeu-là, je vais faire court, non. Parce que c'est un jeu qui est trop vieux. Voilà, et que les jeux sur lesquels il y a des sponsors, c'est des jeux récents, en fait. Hein. Et donc sur Street 2, il n'y en a pas. Là, c'était un sponsor qui nous a permis en fait de partir à Las Vegas, mais c'était un sponsor ponctuel, quoi, enfin juste sur le coup, si tu veux. C'est pas après, je m'appelle pas Cornflakes Volmar, quoi, tu vois. Pour même développer là-dessus, on avait demandé à Capcom s'ils pouvaient nous aider, parce que ce voyage-là qu'on a fait, on l'a fait parce que, pour la petite histoire, Volmar s'était qualifié pour l'Evo. Il avait pas nécessairement le pognon pour prendre l'avion et aller à l'Evo. Donc nous, il nous a juste dit j'ai été qualifié pour l'Evo, c'est con, je vais pas pouvoir y aller. Et donc, et là, c'est Real Myop qui a dit attends, si on monte un plan, attends, t'inquiète pas, tu sais, ça peut s'arranger. Il suffit qu'on trouve, si on fait le prétexte qu'on fait un documentaire, etc., on y va ensemble. Et donc, il a cherché du sponsor et il est allé voir Capcom. Parce que c'est Capcom qui a fait Street Fighter 2, sauf que Capcom, ils en ont rien à branler de faire de la pub à 2X, quoi. Et à la limite, Capcom, même, ils sont pas... Ils ont lancé le jeu HD Remix, qui est un espèce de remix de Street Fighter 2, que vous avez peut-être sur Xbox 360 ou PS3. Ils ont lancé HD Remix et ils font pression, par exemple, pour que sur les salons à Paris, la World Game Cup ou des trucs comme ça, on joue à HD Remix et pas à 2X. Donc ils n'avaient pas intérêt à sponsoriser un truc. Mais ils ont dit, par contre, si vous allez faire un reportage sur... si vous suivez un joueur de Street Fighter 4, ok.
Bah ouais, mais nous on s'en branle, on voulait suivre Walmart, nous. Donc on a dû trouver un autre sponsor, oui. Mais c'est clair que c'était un coup de bol, quoi. C'est un énorme coup de bol, parce que c'est en plus le sponsor, c'est Motion Twin, c'est un éditeur de jeu. Donc c'est un éditeur de jeu qui nous finance pour qu'on parle d'un autre jeu, quoi. Et qui n'est pas fait par eux, donc c'est assez, assez audacieux de leur part. Et je crois qu'on dit à aucun moment Capcom dans le documentaire. On l'a pas dit une fois. Même en les interviewés, ils le disent pas à un moment. Non, on dit pas Capcom. On a évité, ouais. Donc on dit pas Capcom. Donc voilà. Et pour le sponsoring, ouais, les joueurs de 2X, c'est trop une petite niche pour qu'ils se fassent sponsoriser. Ouais, il faut voir aussi à l'Evo, le slot réservé à 2X, c'était dans un coin de la salle. C'est genre comme si on faisait là-bas dans la réserve. Il y avait juste deux boards en head-to-head et après un setup un peu particulier. Mais là, le setup qu'on a au Stunfest, il est bien meilleur que celui qu'il y avait à l'Evo, quoi, et de loin, quoi. Les sticks ont été changés, en plus tout est neuf, tout est nickel. Là-bas, c'était un peu... Bon, enfin, il y avait des gars qui avaient bossé sur deux frères, la DGV. Ouais, mais c'était du bricolage. C'était du bricolage dans un coin de la salle de l'Evo, quoi. C'était... Là, vous voyez les images un petit peu de temps en temps. On n'avait pas beaucoup de place, on se marchait un peu dessus. Ouais, les joueurs Resident Evil. Un jeu Capcom. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça y est, il y a des questions. Ouais, bonjour. Je voulais vite faire revenir sur HD Remix. J'ai vu que la première partie du commentaire, alors peut-être vous en parlez après. Mais justement, il y a eu aussi un travail de rééquilibrage qui a été fait sur HD Remix, genre Ken qui a eu des coups de pied feintés. Je voulais savoir pourquoi la communauté japonaise, justement, préfère encore jouer à 2X que HD Remix. Mais même les joueurs ici, hein, ils achètent HD Remix et ils y jouent en mode arcade classique. Donc, mais je laisse Walmart répondre. En fait, c'est... Comment ? 2X, c'est un jeu qui est à la fois parfait et imparfait. C'est-à-dire que voilà, il a plein d'imperfections. Il n'a pas un équilibrage qui est absolument bien pensé, peut-être, à certains égards. Mais en fait, le problème, c'est que sur ce jeu, on trouve toujours des solutions, des nouvelles approches, en fait, pour chaque match. Puisque c'est un peu technique, ta question, je suis obligé d'entrer là-dedans. Et si tu veux, le truc, c'est que il y a un côté de... comment dire ? Il y a un côté de... J'ai envie de dire presque de salissure, si tu veux, du jeu. Lorsque tu en changes juste, tu vois... C'est comme si tu changeais, je sais pas, une note de la 9e symphonie, quoi, tu vois. C'est... Bon, non, ça se fait pas, voilà. Donc, même si c'est un peu moins bien ou je sais pas quoi, bah, tu laisses comme c'est et puis on verra avec le temps. Après, il y a un côté aussi un peu vieux con, hein. Enfin, moi, je sais que je préfère jouer avec des graphismes à la con et... Et pas tout HD, mes couilles, et voilà, quoi. Voilà. Oui, surtout que le portage en 16/9 du jeu change complètement les échelles, les distances, la manière de jouer au jeu. Après, il y a le concepteur de HD Remix, c'est David Sirlin, qui a fait... il a un blog très intéressant où il explique pourquoi il a fait toutes les modifications sur 2X. Il détaille vraiment précisément, c'est passionnant à lire. Bon, personnellement, je préfère vraiment aussi jouer, je suis un peu vieux con à la vieille version, quoi. Mais c'est quand même intéressant le travail qu'il a fait, même si effectivement, finalement, il s'en est pris plein la gueule. Tout le monde lui a dit ouais, ton jeu de merde, tu peux le garder. Mais bon, enfin, on peut quand même bien s'entraîner avec HD Remix. Il y a beaucoup de qualité à cette version. On peut jouer en version arcade classique, donc on a des décors un peu remixés, mais on joue avec les vieux sprites dégueulasses qu'on voit dans 2X. Et accessoirement, on peut aussi voir toutes les hitbox quand on joue. Donc ça, c'est très important. On peut voir la taille des coups, où ton personnage va pouvoir se prendre des coups dans la gueule aussi. On peut vraiment travailler son jeu avec cette version. Et dans ce sens-là, elle est assez intéressante. Voilà. Une autre question, messieurs, dames ? Bonjour. Ça serait une question un peu technique sur 2X. C'est pour savoir... quels mécanismes de jeu font que certains persos comme Feilong par exemple sont lotières par rapport à d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont moins efficaces que certains persos comme je sais pas Dalsim ou Klo ou voire Chun-Li. Excuse-moi, ta question c'est la question si tu veux en gros c'est pourquoi il y a des persos plus forts que d'autres. Ouais, en fait, si je résume. Il pensait surtout à Feilong comme exemple. Ouais. Voilà. C'est bon, ça après c'est une réponse qui peut se faire pour tous les jeux de combat. C'est juste que vu que tu as une variété en fait de personnages, forcément tu auras aussi une variété de confrontations, quoi. Je sais pas comment t'expliquer ça. En fait, pour avoir un jeu parfaitement équilibré, il faudrait qu'il y ait un seul personnage. Voilà.
Comme ça, tu aurais un équilibre parfait, tout le monde aurait les mêmes chances, etc. Tu pourrais faire tous les coups, etc. Bon. Mais le but, quand même, c'est de varier un petit peu les plaisirs. Et forcément, dès que tu introduis différents styles, ben, tu introduis aussi du déséquilibre, quoi. Voilà. Donc, c'est en fait, c'est fatal, quoi. À partir du moment où tu as une variété de personnages, tu auras forcément un déséquilibre. Après, comme je disais précédemment, je pense que vraiment la question du lot tiers, etc., elle est spécialement très bien gérée dans 2X. Parce qu'il y a beaucoup de lot tiers, par exemple Tiok, si tu vois le perso. Au tout début, c'était un personnage qui était considéré en fait très très lot tiers, dans le plus bas de la tier list. Maintenant, il est pratiquement high tier, quoi. Pratiquement. Parce qu'en fait, on a découvert de nouvelles technologies avec lui. Et ça a changé la façon de le considérer. Pareil, Honda, au tout début sur ce jeu, était considéré comme très très haut dans la tier list et il s'est retrouvé vite baissé. Récemment, il y a eu Togeki, là je rentre un peu dans un truc technique, mais un match entre DJ et la meilleure Chun-Li et le meilleur DJ, et on s'est aperçu en fait que pas du tout le match-up, c'était pas ce qu'on pensait, il est beaucoup plus équilibré, machin. Donc si tu veux, voilà, c'est un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vraiment le jeu arrive tout le temps à nous étonner avec le temps, quoi, voilà. Question. Ah. Bonjour d'abord. J'avais envie de revenir en fait sur un aspect du documentaire. C'est que c'est pas pour abaisser la prestation de Walmart, mais vous reveniez beaucoup sur le fait qu'il a été déconcentré par un des ricains. Et j'ai tout le documentaire est très bon, mais ce passage-là assez javelisé du mode tournoi où il y a de la vanne à tout va, quand on prend les tournois français, dès qu'il y a un japonais, tous les mecs veulent le défoncer parce que c'est un japonais et voilà. Pourquoi revenir juste sur ce fait que voilà, il y a eu un tocard qui est venu dire la France ça craint et rester 2-3 minutes là-dessus, faire interviewer les autres gars et il y a surtout ce côté javelisé avec les Américains, oui on n'a pas envie d'être vu comme ça ailleurs dans le monde, alors que clairement voilà, la vanne ça fait partie du tournoi et j'ai été un peu déçu entre guillemets, mais je trouvais ça assez décevant de votre part en fait d'appuyer sur ce point alors que tout le documentaire est très bon. Et non, si la question c'est de savoir pourquoi on a mis ça en scène, bah, c'est parce qu'au bout d'un moment on a beaucoup de choses. Le principe du docu c'est simple, on a beaucoup de choses à dire, on a envie de faire découvrir 2X aux gens. Donc on a beaucoup de choses à expliquer, qu'est-ce que c'est que le jeu, qu'est-ce que c'est que les communautés, on va quand même assez loin dans les explications sur le jeu, etc. Ce qu'il y a, c'est que si on avait mis que des explications et que des explications, ça aurait été chiant. Il faut du spectacle. Il faut un petit peu de spectacle qui est, pour le coup, constitué par la prestation de Walmart et son parcours, qu'on suit. Et en effet, donc j'explique pour les autres, à un moment, Walmart perd, bel et bien. Et il perd, en face de lui, il a un joueur qui a un copain qui arrête pas de gueuler. Qui arrête pas de gueuler à chaque fois que Walmart se prend un coup ou se met un coup. Il y a son pote qui est là, ouais, ouais. Et ça énerve Walmart, qui a du mal à se concentrer, ça le déconcentre. Et nous, en effet, on a mis ça en scène. Mais c'est une question qu'on s'est posée, parce que Walmart me disait, j'ai pas envie que tu le montres ça vraiment. Parce que ça peut donner aussi une mauvaise image de la communauté, etc. Alors nous, on s'est demandé, ouais, mais est-ce que, voilà, en même temps, ça a quand même joué dans sa défaite, donc ce serait con de ne pas en parler du tout. Donc faut quand même en parler. Ouais ben. Mais quand les autres joueurs nous disent, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi il s'est mis à gueuler comme ça, ils sont sincères. Ouais. Et il y a eu ce gars-là a gueulé sur d'autres matchs. Je crois qu'on le dit à un moment. Il a gueulé aussi sur le match de DGV. DGV, ouais. DGV. Et ils en ont été choqués aussi. C'était un comportement qui, sur le moment, pour certains joueurs, est paru choquant. Donc nous, on insiste dessus pour deux raisons. Parce que, un, ça sert la narration. Il faut bien qu'il se passe des choses. Et il faut... Deux, ça sert aussi la vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. Et trois, je crois que j'avais dit que je faisais que deux points. Donc, trois, même les joueurs sur place ont trouvé ça déplacé. Donc, c'est pas exagéré. C'est mis en scène de façon voilà. Un peu vulgaire. Ouais, on met un peu de. Ça, on est d'accord. C'est un peu pute, hein, je suis avec d'accord. Le delay, mais il n'y a pas que ça, y a pas que ça dans le docu qui est un peu pute. C'est vrai. La forme en elle-même est un peu pute. La forme en elle-même est un peu pute. C'était le parti pris. C'était comment on peut essayer de s'adresser aussi au plus grand nombre avec un sujet qui est hyper nerd, qui est hyper pointu, on va s'intéresser à un vieux jeu d'il y a 20 ans, on va prendre les top players du monde, mais d'un vieux jeu qui a 20 ans auquel les gens ne jouent plus nécessairement. Non, c'est même en France, même ici sur le Stunfest, le tournoi de 2X, c'est pas le plus hype,
Et il y a beaucoup le mot hype, donc je rebondis là-dessus. Et le Stunfest, c'est pas le festival le plus hype de la France non plus. Donc on est vraiment dans de la niche de niche. Comment rendre ça accessible au plus grand nombre et arriver à intéresser les gens? Et on a vu des réactions de gens qui écrivaient après dans le truc et qui s'étaient pris au jeu, comme j'espérais qu'ils se prennent au jeu. C'est-à-dire qu'ils disent « Waouh, pas cool, waouh, cool, waouh, qu'est-ce qui va se passer pour Walmart ?» Et ça, c'est les recettes de teasing dont on avait besoin pour faire passer tout le reste. Un petit peu comme dans mon travail sur JVC, je mets des blagues, c'est aussi pour faire passer tout le reste. Et là, c'était d'orienter le docu un petit peu, comment on peut appeler ça, un petit peu docu sensationnaliste ou je sais pas quoi, comme fait la télé moderne. Je me suis inspiré des recettes de la télé, quoi. Voilà, en gros. Juste ajouter là-dessus que c'est vraiment vrai, ouais, ça m'a beaucoup perturbé, mais j'ai pas demandé forcément, moi, à ce que ça soit donc présent dans le documentaire. Suite à ça, quand même, moi, enfin bon, la diffusion de ce documentaire m'a inspiré beaucoup de réflexions, et parmi celles-là, au moins une, c'est que, enfin, moi, j'ai des avis sur ce qu'est un tournoi, etc., qui sont complètement pas du tout partagés par beaucoup de monde. Je pense, par exemple, qu'un tournoi n'indique pas forcément le meilleur joueur. Je pense que c'est pas représentatif. Enfin, j'ai beaucoup d'idées un peu farfelues comme ça, peut-être, mais là, ce que ça m'a fait penser, c'est justement, c'est intéressant de voir un petit peu. Enfin, il n'y en a pas beaucoup d'arguments, mais de voir un peu les arguments de ceux qui trouvent que c'est dégueulasse que quelqu'un gueule, ou ceux qui trouvent que voilà, c'est complètement légitime, quoi. Moi, en tout cas, voilà, je suis quand même content au final que qu'Usul l'ait mis, parce que bon, je pense que dans le documentaire, ça s'insère, et que dans la narration, c'est pas trop gênant. Après, si on trouve que ça fait trop, bah, tant pis, quoi. Voilà. C'était une très bonne question, pour le coup, là. Ouais, il y a eu beaucoup de réflexions aussi sur le fait, parce que moi j'étais à côté de lui pendant qu'il gueulait comme un putois, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais vas-y, mais pourquoi il lui pète pas la gueule, il a pas de couilles ou quoi ?» Donc bon, c'est un peu plus complexe que ça, c'est... Bon, donc déjà, j'ai pas de couilles, c'est clair, et surtout, non, il est tout petit en plus, franchement, bon. Enfin, mais on l'a interviewé, il faut savoir que Noho, en plus, on l'a interviewé le matin même, et qu'il était hyper sympa, il nous a fait... Bon, le problème, c'est que l'interview, il y avait pas grand-chose à en tirer au final... Ouais, on l'a pas mis dans le docu, on l'a coupé au montage, mais pas à cause de ça, juste voilà. Parce qu'il disait des trucs qui étaient, moi, enfin, que j'arrivais pas à intégrer, quoi. Mais on en avait discuté avec lui, il avait l'air cool, quoi. C'est pour ça qu'on a... nous-mêmes, on était stun, quoi, on n'a pas compris. On n'a pas trop compris, et accessoirement... Ça nous a d'autant plus choqué qu'il était sympa avant, et pendant le match, il est là, ouais, French sucks C'était assez bizarre, ouais. Et disons que, ce qui est, c'est un des mecs les plus influents de la scène US aussi. Noho, c'est un gars, enfin nous on est arrivé, je veux dire, la Morvonnée, on n'allait pas dire à un des mecs les plus influents de la scène là-bas, hey, « Eh Coco, tu vas fermer ta gueule ou je t'en mets une, tu vois ?» Ouais, on se faisait petit, on était invité, on faisait pas chez nous. On faisait pas trop les malins, tu vois. Mais après, voilà, bon, c'est pas... Et puis les matchs de 2X, faut pas oublier que ça dure 2 minutes grand maximum en temps réel, quoi. Donc aussi, ça allait très vite, quoi. Tu parlais de l'image que ça donne du truc, c'est-à-dire que tu trouvais que ça donne pas une bonne image ou que... En fait, moi, tout le reportage est très bon et je trouvais que ça donnait vraiment le reportage. Et voilà, c'est le côté télé-poubelle en fait qu'on peut retrouver ailleurs. D'accord. Et je pense que les personnes principalement. Ouais, mais j'aurais pas pu le couper. Oui, non, ça, je suis après, d'accord. J'ai trop insisté dessus. Pour toi, ça fait trop télé-poubelle. Voilà, en fait. Voilà. Contrairement à ce que tu peux proposer comme travail à côté, même si voilà, il y a le côté un peu troll et compagnie qu'on peut retrouver, il y a vraiment ça. Moi, c'était le côté télé-poubelle là que je trouvais qu'il y avait rien à foutre dans un documentaire de jeux vidéo, quoi. Ah mais après c'est moi qui ai jugé que ça valait le coup de bousculer aussi un peu, enfin de bousculer, d'essayer de tirer, de faire un documentaire jeu vidéo qui ressemble un peu à ce que les gens regardent. C'est un peu ça, hein, quelle concession je fais aussi. Voilà, je conçois que tu... Moi personnellement, j'étais contre qu'on insère la séquence de Noho qui gueule juste par souci de ne pas présenter la scène sous cet angle quand même assez négatif, quoi. C'est-à-dire, mais voilà, ça fait débat chez nous, quoi. Mais comme c'est Usul qui écrit, voilà, bon, on l'a laissé faire sa merde. Hein. Bref, une autre question? Des questions? Des doigts se lèvent, j'accours. Ouais, bonjour. Volmar, je me souviens d'une époque où tu faisais des vidéos sur Dailymotion où tu expliquais justement certains persos. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la communauté qui pourrait s'entraîner un peu plus, est-ce que c'est quelque chose que tu comptes reprendre? Voilà. Ouais, bien, je faisais ça avec donc Edge. Et ben,
Ce qu'il y a, c'est que juste, enfin, on a, j'ai pas coupé mes contacts avec Edge, mais je sais pas, il a fait plutôt ses trucs en ce moment, on s'est pas trop calculé, mais ça pourra reprendre à mon avis sous peu. Hein. Moi, j'aimerais bien encore un petit peu continuer parce qu'en fait, j'ai été surpris de voir que c'était des vidéos qui avaient servi pas mal, enfin, de personnes, voilà, qui voulaient se mettre un petit peu au jeu. Parce que bon, je suis d'un naturel peut-être un peu défaitiste et je pensais pas que ça servait à grand chose non plus. Je faisais ça plutôt pour m'amuser au départ. Et donc bon, en voyant que ça peut être un tout petit peu utile, ben oui, je pense que ça pourrait reprendre, ouais. Ouais. Ouais, surtout que tu en avais fait aussi tout seul sur eLive, feu eLive, donc un site où on pouvait faire des podcasts. Et il avait fait tous les match-ups, des vidéos incroyablement pas glamour, où il parlait pendant une image fixe, pendant une heure et demie, il faisait tous les match-ups. Donc je te laisse imaginer tous les persos du jeu, t'analyses ce que tu dois faire en face de chaque perso. Donc c'était vraiment intéressant quand tu joues au jeu, mais c'est vrai que ça manquait un peu de sexy, quoi. Voilà. Des questions, soyons fous. J'adore me lever et sortir de la scène pour entendre le micro, c'est génial. S'il vous plaît. Par contre, je vois rien. Qui ? Ah, là. On m'entend là ? Oui. Ah. Une petite question simplement. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans 2X, que tu aimerais changer ? Il y a des choses que je n'aime pas dans le milieu du versus fighting, oui. Dans 2X, non. Non, c'est pas des noms, hein. C'est pas des personnes, mais c'est une façon de faire en fait. En fait, j'y participe aussi, hein, mais tout ce qui est de l'ordre du spectacle, etc., ça me gêne un peu. Et c'est assez paradoxal, hein. Mais voilà. Et non, dans 2X, après, pour répondre à ta question, des choses à changer, non. Faut laisser comme ça. Une autre question, les amis ? Ah, bien. T'es pas loin. On m'entend ? Oui. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi ne pas avoir diffusé les matchs dans le reportage ? Tu veux dire les matchs en entier ? Les matchs, ils sont trouvables. Les matchs, ils ont été streamés à l'époque. Il y a des petits malins qui ont réussi à... Enfin, non, je crois pas. Non, pas. Toi, t'as pas été streamé, du coup... Si, on peut trouver tes matchs, si. Il y en a qui sont allés voir les matchs de Walmart parce qu'ils sont passés par le truc de l'Evo, le compte de machin. Donc les matchs, ils sont dispo. Moi, j'allais pas juste les remettre dans mon truc. Moi, je voulais les intégrer un petit peu. Donc on voit des séquences, on voit des... On voit des séquences avec des plans sur les visages, les mains, etc. Mais je voulais quand même en montrer, mais je voulais pas montrer que ça. Et bon, c'est voilà, en gros, c'est... Ah, mais la question se pose, vu que les matchs à 2X, c'est quand même très court aussi. C'est vrai ça, on aurait pu les mettre de manière intégrale. Mais il y a des séquences assez longues de matchs, quand même. Oui, surtout dans le quatrième épisode. Ouais, c'est dans vrai. Le quatrième épisode, on montre la finale avec les Japonais, qui jouaient tellement bien que ça aurait été dommage de pas montrer des... Une finale aussi folle, de pas la montrer, de pas la commenter aussi, nous. Et donc, il y a aussi de très longs moments de jeu. Alors, par contre, oui, voilà. Si vous avez vu que le premier épisode, en effet, il n'y a pas de match. Mais ils arrivent dès le 2, le 3 et le 4. C'est peut-être ça aussi, le malentendu, du coup. Is OK ? Question. Dans le premier, on faisait monter la sauce, juste. Moi, j'aimerais savoir si vous avez eu des échos, si les organisateurs ont vu le reportage et si vous avez eu des échos, quelles ont été. Oui, ils ont vu, ils sont contents. Vas-y, Walmart. Oui, l'organisateur, en fait, c'était Kuropi. Donc, c'est un joueur très, très, très de la vieille école américain. Et je suis en contact très fréquemment avec lui. Il était hyper, hyper heureux du reportage. Hein. Vraiment, c'était quelque chose qui... ça l'a vraiment touché, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que son tournoi des légendes, c'est une totale réussite parce que pour continuer sur l'histoire des matchs, en fait, il faut savoir que le match Kusumondo contre Mao, c'est considéré comme un des plus grands matchs qu'il y ait eu à l'Evo. Hein. Tout confondu, quoi. C'est vraiment un match d'anthologie absolue. Hein. Donc voilà, lui, il est aux anges. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y avait une sacrée ambiance aussi pour la finale. Hein. C'était complètement hystérique. L'ambiance. Il y avait 2 heures de retard, je crois, mais tout le monde était crevé. Mais c'était vraiment la pure folie, quoi. C'était vraiment un moment assez fou, quoi. Ouais. D'ailleurs, si je peux dire, là-dessus, Kusumondo s'est plaint gentiment. On aurait pu le montrer aussi, ça. Parce qu'il y avait des gens, en fait, pendant le match, qui, lorsqu'en fait, ils se faisaient toucher par Mao, hurler le cri de Vega, il faisait you, you, comme ça, mais vraiment, enfin,
faut imaginer le César Palace comble avec je sais pas combien de centaines de mecs qui crient ça. Et il a bien fait comprendre, je crois, je sais pas si ça a été mis dans le reportage vraiment, mais en tout cas je me souviens très bien quand on parlait avec lui, il disait voilà, que ça l'avait vraiment perturbé, ses conditions de jeu là aussi, c'était pas évident pour lui. Ouais, dans le docu il le dit un petit peu, mais ouais, il a pas, c'est lui-même a pas insisté là-dessus devant la caméra. Ça c'est le, ça c'est les Japonais et leur côté, je vais pas me trouver voilà, je, bon tant pis, c'est passé comme ça, c'est passé comme ça. Mais ouais, lui-même a été gêné, les Américains des fois ils gueulent quoi. Ils aiment bien le show, ils aiment bien le spectacle, et le public aussi, il aime bien le spectacle, il aime bien gueuler, il aime bien... Nous, on est sages à côté. Même les publics français qui sont fous, des fois, bah, ils sont moins fous que ceux que eux. Ils gueulent fort. Allô ? Ouais. Sur cette question du spectacle, vu que je vois que Walmart a un avis dessus... qui m'intéresse sur le coup, parce que à l'Evo, c'est quand même parmi les matchs les plus hype qu'on peut trouver sur des jeux de baston. Je pense à KOF 13, si vous avez l'occasion de voir le Clark qui a été joué sur les finales, est juste fou. Enfin, le public qui gueulait à chaque shop qui passait, quoi, c'était un truc d'enfer, d'anthologie. Quoi. Pour moi, ça fait vraiment partie du jeu de baston, cette relation au public. Je suis même content quand des gens regardent mes matchs, mes amis, même s'ils connaissent pas le jeu. Et je voulais ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses pas que le partage peut être... fait via ce public? Alors là-dessus, j'ai pas d'avis, comment dire, miracle quoi. Je vais pas pouvoir te dire une réponse qui va être très satisfaisante. Parce que moi, de mon côté, en fait, je pense qu'il y a. Tu as raison, on peut tout à fait penser qu'il y a une légitimité qu'il y ait un public qui puisse crier en même temps que les matchs, etc. Moi, ce que je pense de mon côté, c'est qu'en fait, il y a aussi une légitimité de la part des joueurs de se concentrer et de rester dans un match et de pouvoir être tranquille, quoi, si tu veux. C'est pour ça, si tu veux, qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, des joueurs qui portent des casques, tu sais. Voilà, en fait, c'est pas pour faire les kikous, hein, en fait, c'est juste parce que ça leur casse les couilles d'avoir des mecs qui gueulent derrière, quoi. Et je trouve questionnant, juste au moins, après, j'ai pas de solution encore, hein, mais juste, je me pose la question, je me dis, ouais, c'est un peu bizarre quand même de jouer à un jeu où t'as besoin d'une concentration, mais maximale, quoi, et qu'il y ait des mecs, mais par centaines, qui te hurlent sur la gueule, quoi. C'est très très bizarre quand même, hein, si tu y réfléchis deux secondes. On penserait jamais, par exemple, à un championnat de dames ou d'échecs, tu vois, des mecs qui seraient là, tu vois, après t'as pris un cheval ou je sais pas quoi, tu vois. Ça serait complètement fou, quoi. Le mec, il a roqué, quoi, tu vois. Non, mais ça serait pas possible. Donc bon, voilà, alors que là, c'est vraiment ça, quoi. Tu te prends... Bon, après, il y a le côté, l'excitation du jeu de combat, voilà, le côté un petit peu ludique, voilà, du jeu, quoi, qui se voit directement, qui fait que voilà, t'es pris et t'as envie de gueuler. Et même moi, quand je vois des matchs, j'ai envie, quoi. Mais je sais pas, comment il faudrait procéder, mais je trouve en tout cas qu'il y a une bizarrerie avec d'un côté l'énorme, comment dire, hype, quoi, pour reprendre le mot anglais, que ça génère du côté du public, et l'énorme concentration de l'autre côté que ça demande, si tu veux. Il y a une distorsion à laquelle il faut un peu réfléchir, selon moi, quoi, voilà. Bonjour, mais ça vous fait pas plaisir, ou les joueurs, de se faire encourager, même si c'est une façon un peu différente? Je ne parle qu'en mon nom propre, hein. Il y aurait plein d'autres joueurs qui pourraient être à ma place et te dire le contraire. Encore une fois, j'ai pas du tout un avis très conformiste dans la scène de jeu de combat. Mais moi ça me gêne. Ouais, parce que en fait, j'ai juste besoin de me concentrer. J'ai aucunement besoin d'un mec qui dit allez, vas-y, c'est bien ce que t'as fait. Voilà, je m'en fous, quoi. Je sais, tu vois, c'est bon. Donc voilà. Enfin, ça c'est personnel, ce qui se passe dans ma tête. Le mec, je vais pas lui dire, quoi. Mais tu vois, ça me casse les couilles, ouais. C'est voilà. Mais bon, c'est tout personnel. Hein. Il y a d'autres gars qui aiment ça, quoi. T'as plein de joueurs qui, par exemple, Ponko, là. Le joueur coréen de Street 4, quand il jouait contre Daigo à l'Evo, je crois que c'était il y a un an ou deux, et qu'il l'a battu d'ailleurs, il demandait au public justement d'en foutre des caisses et tout ça, parce que je crois qu'il doit savoir aussi que Daigo, il est pas forcément, il paraît imperturbable, mais il n'est pas forcément fan de ce genre de truc non plus, quoi. Donc tu vois, c'est ambivalent, voilà, ça dépend vraiment des joueurs. Moi, de mon côté, oui, ça me fait chier. Ouais. Vous savez ce qu'il vous reste à faire à la compète de 2X demain? Commence à 13h. Voilà, si vous voulez faire chier Walmart, vous savez ce qu'il faut faire. Mais c'est marrant que, oui, en effet, vous voyez donc bien que la question du public, elle a une incidence sur le jeu en lui-même. Est-ce qu'il gueule? Est-ce qu'il taunt? Est-ce que, parce que là, par exemple, si ça gênait Kusumondo, c'est parce que le public faisait pas que, ouais, il répétait le cri de Vega, donc le cri de son adversaire. Donc il faisait que faire « Ah !»
En plus, c'est extrêmement énervant. J'en avais un à un mètre derrière moi. Il faisait ça super fort. J'avais envie de lui mettre des claques. C'était terrible. Et pourtant, j'ai pas souvent envie de mettre des claques à des gens. Mais tout de même. Donc, en gros, ça peut modifier le match. Et Mao, lui, au contraire, justement, c'était ça. Mao, lui, il les encourageait à donf. Et est-ce qu'il a pas gagné le match aussi parce qu'il a su jouer de ça? Ben, un petit peu aussi, ouais. Et il y a des champions que ça emmerde, qui est cette dimension-là, qui s'ajoute, une espèce de surcouche de jeu, un jeu au-dessus du jeu. C'est vrai qu'il faut essayer de s'imaginer qu'à chaque fois que tu te fais toucher, donc tu perds de la barre, t'as des gars qui gueulent. Tu vois, enfin, moi, ça, personnellement, ça me casserait trop les couilles, quoi. Enfin, ça me semble assez logique, quoi. Eh, tu perds. Voilà. Enfin. Ouais, et puis bon, après, moi, ça va aussi vraiment dans la mentalité américaine. Enfin, il n'y a pas tout de mauvais hein, chez les Américains. Oui, non, mais ce côté-là, c'est pas celui que je préfère, quoi. À l'Evo, c'est une tradition aussi, quoi. Voilà. C'est une tradition, une espèce d'hystérie où tout le monde bugle. Bon, après, j'ai du mal en général avec la notion de public, mais bon, là, quand il se manifeste, en plus, c'est gênant, quoi. Voilà. Bonjour. Ça pour savoir, Volmar, est-ce que tu penses que c'est aussi un rapport Volmar, ce serait pour savoir. Si c'est un rapport avec l'entraînement aussi. L'entraînement aussi. Avec l'entraînement personnel du joueur. Comme toi, tu joues sur Internet, t'as personne qui te gêne derrière toi. Alors que d'autres qui jouent dans les salles d'arcade, ils ont l'habitude de se faire gueuler dessus ou des choses comme ça. Donc ouais, j'ai pas eu le début, mais c'est est-ce que ça a un rapport le fait que je sois un joueur plutôt online, c'est ça? Que je sois perturbé par ça? Perturbé par le public, en fait. Ah, c'est pas bête, hein. Mais après, franchement, c'est possible. C'est quelque chose dont j'ai pas conscience. Moi, c'est plutôt après au niveau de la personnalité de chacun. Moi, j'ai une personnalité plutôt comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'aime pas avoir des gens autour de moi qui font oui c'est bien ou oui c'est mal, quoi. Voilà. Donc c'est juste que je préfère avoir pas de gens autour, quoi. Donc après, c'est tout personnel. Il y a des gens qui préfèrent ça, comme je te dis. Hein. Je pense pas que c'est totalement lié au fait d'être online et tout ça. Après. Les performances qui sont faites en tournoi et les performances qui sont faites online, là, c'est un peu à côté de ta question, mais ça diffère un petit peu. Ça, j'ai pu le remarquer. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer exactement pareil, du coup, à un tournoi que lorsque je joue online, quoi. Bon, voilà. Enfin, outre le fait que, bon, online, tu joues sur émulateur avec du lag. Donc, ça change complètement par rapport à un PCB, enfin, au jeu CPS2, quoi. Next. Scan. Ah, attends, il avait levé avant toi. Merci. Moi, j'ai une question par rapport justement au côté compétitif du jeu. Et on voit que les jeux de combat en général sont plutôt en retrait au niveau de ce qu'on appelle l'e-sport. Au niveau visibilité, par exemple, par rapport à des jeux comme StarCraft ou... Plus vrai ? Ouais, que les jeux de combat sont plutôt en retrait par rapport à des jeux comme StarCraft ou LoL. Et ce que je me posais la question, c'est est-ce que ça vient du jeu en lui-même? Parce que c'est quand même depuis pas si longtemps que ça qu'on peut jouer online et du coup élargir la communauté. Et est-ce que ça vient du jeu en lui-même ou de la communauté plus qui s'investit pas dedans Je pense que c'est très dur de répondre à cette question parce que les facteurs, ils sont très nombreux. Je pense que le premier facteur, il est historique. C'est une question de quand les trucs sont arrivés, quand les salles ont fermé, on l'a vu hier, on a fait un petit débat, une petite intervention sur Street Fighter dans les conférences. Street Fighter 2, quand c'est arrivé, c'était sur Super NES, donc un support hyper populaire, mais il n'y avait pas le net encore à l'époque pour faire monter le niveau de jeu et donc créer une scène compétitive comme on peut en voir maintenant sur Street 4 par exemple. Donc il n'y avait pas le net, il y avait des gens qui jouaient à la Super NES chez eux. Et puis ensuite, après Street Fighter 2 et le succès énorme, le jeu de combat est un peu... Il est un peu tombé dans une espèce de niche avec des jeux beaucoup plus techniques. Enfin, plus ça allait, plus ça a été technique. Street Fighter 3, des trucs comme ça. Et donc en gros, c'est l'histoire un peu de chaque genre qui va créer des communautés. Et là, il y a l'essor du online, il y a l'essor du jeu gratuit avec League of Legends. Voilà, on peut pas lutter, mais il y a eu quand même un gros renouveau grâce à Street Fighter 4 et grâce aussi au online sur les consoles de salon. Après, les communautés, si on les regarde une par une, il y a pas grand-chose. Elles sont tellement différentes même d'un jeu à l'autre. On peut parler de FIFA aussi, on peut parler de plein d'autres trucs.
Mais savoir pourquoi le jeu de baston est moins populaire que d'autres trucs en multijoueur ou moins représenté à l'e-sport, les facteurs sont très nombreux, mais c'est juste une question de quand est arrivé le jeu, quand est née la communauté, quel âge ont les joueurs, quelles pratiques ils ont. C'est arrivé comme ça, quoi. Il n'y a rien fondamentalement dans le jeu en lui-même qui en fait un jeu moins hype que LOL, évidemment que non. Ou dans la communauté en elle-même. C'est comment elle s'est créée historiquement. Voilà, voilà. Ah ouais. Bon bah c'est encore moi. Bonjour. Depuis les 4 mois qu'est passé le documentaire, est-ce que la communauté en France a augmenté? S'il y a une multiplication des tournois, une multiplication des joueurs, un truc comme ça? Oui, ça a beaucoup augmenté, oui. Ça, par rapport aux 3 connards qu'il y avait normalement sur GPO, maintenant il y a 30 connards. Donc voilà quoi, c'est juste, il y en a 20 de plus quoi. Mais c'est beaucoup si tu fais en pourcentage pour notre communauté de pouilleux quoi. Donc oui, c'est vraiment bien quoi. Nous on est très contents pour le jeu. C'est vrai que c'est ce qu'on voulait. Il y a un côté vraiment, sans plaisanter, il y a vraiment une émancipation sur le jeu. Il y a eu, grâce à ce documentaire, beaucoup de personnes qui sont intéressées au jeu. Moi de façon inespérée je trouve. Donc la réponse est oui, c'est très positif à ce niveau là. Et c'était le but aussi, hein. C'était le but avoué, et c'est pour ça qu'on a essayé de faire accessible, c'est qu'on voulait aussi ramener des gens. On s'est dit, c'est bien comme jeu, c'est bien comme communauté, faut le montrer aux gens qu'il y a des trucs comme ça qui existent. C'est bien. Et il y en a qui sont venus, et c'est bien. Et il y en a qui vont s'inscrire au tournoi demain de 2X, et c'est cool. Peut-être une dernière question, parce que nous on a chaud, enfin moi j'ai chaud. Ouais. Dernière. Si on n'a pas, on va s'arrêter là. Ouais. Hein ? Alors, ils sont pas chauds, je crois. Bon, bah voilà. Donc voilà, on vous encourage, si vous avez pas vu, à regarder les suivants. Il se passe plein de trucs. Bon, bah vous savez que Walmart, il gagne pas à la fin, mais il y a quand même d'autres trucs qui se passent. On vous a pas dit qui gagnait le money match entre Afro Legend et Dame Dai, donc vous quel verrez suspense, ça. Suspense insoutenable. Un suspense de malade. Et puis nous, on va y aller. Je sais pas comment on conclut. Partez, je ne sais pas. Ou restez. Non, il y a quoi après? Voilà, il y a quoi? Merci d'être là, merci l'organisation, c'est ça qu'on dit? À venir, finale Street Cross Tekken. Voilà. Cross Tekken ça va être plus spectaculaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.